Salut à vous les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il a fait très beau. On va faire le tour. On va aller au jardin. Ok? Allez. Je sais que c'est pas facile tout le temps, compliqué, mais je fais de mon mieux. Allez, on y va. Voilà, ça y est. On y est, nous sommes à Saint-Denis, 15 janvier. C'est parti. On a mis les tomates aujourd'hui. La Dorsia Production.
Et voilà, ça vient bon, hein. Ça vient bon, n'est-ce pas? Ça promet. Je pense que ça promet, je pense que. On verra ça par la suite. On verra ça par la suite. 14K Production. Protéger celle-ci pour l'instant en attendant. Parce que ça peut arriver très vite, hein, vous savez. Hein, vous savez. Je vais te faire voir, je vais essayer de te faire voir. Tout cela, elles sont protégées. Voilà, on devrait voir quelque chose. Celle-ci, ça c'est nickel. Voilà, le 15, les tomates sont mises. La Saint-Denise, on verra ce qu'elle nous dit de beau. Denise, peut-être une belle réussite, on verra. Voilà, voilà les copains. Bon, on va faire le petit tour vite fait, hein, si ça vous dit. On va y aller, choux de Bruxelles, là, ils ont commencé à pousser. Ça commence à être pas trop mal, les choux de Bruxelles. Bon, les courgettes marocaines, pour l'instant, ça stagne un peu parce qu'il a encore fait un peu frais, donc ça végète. Hein. Il y en a encore là-bas. Et avec les... Je vais avancer. Là, comme tu sais, il y a les petits pois. Voilà, ils ont bien... Ça commence à lever. Hein. On voit que... Et ça commence à avoir soif aussi. Je vous dirais. Déjà. C'est précoce. Hein, c'est... Enfin, voilà.
Là, il y a les aubergines. Ici, tout au fond, là-bas, vous voyez, c'est un pied de melon. On va le faire allonger comme ça, tout comme les autres qui sont là, ici. On va le faire allonger ici aussi. Et on va peut-être leur faire passer le tour des aubergines. Je pense qu'il y a moyen. Comme ça, les aubergines, elles sont placées là. Elles vont être bien là. Elles vont être bien. Donc, on revient là, ici. Là, les choux de Bruxelles, encore. Les choux de Bruxelles. Ceux-là, ils ont bien, ils ont fait des belles feuilles. Là, les courgettes marocaines qui stagnent, qui végètent, qui, je ne sais pas. Faut attendre, faut être patient. Faut être patient. Là, il y a encore un chou de Bruxelles. Voilà. Et ça, c'est la... Ça, c'est la poirette que j'ai semée il y a un petit moment déjà. Et la poirette a commencé à lever. On va pouvoir faire des beaux poireaux. Il y a des poireaux malabar et des monstrueux de 40 ans. Donc, je pense qu'il va y avoir du au taquet du poireau. Avec une petite tarte au poireau, ça c'est bon. Je sais pas si vous avez déjà goûté. Dites-le dans l'espace commentaire si vous avez déjà goûté de la tarte au poireau. Moi, je vous dis, c'est fabuleux. C'est très très bon. Là, les haricots, ben, ils ont pris un peu cher. Là. Les haricots, ils ont pris le coup de gel. Il y en a certains que je vais devoir même enlever, je vous dirais. Parce qu'ils sont pourris. Ils veulent rien savoir. Voilà. Donc, les deux autres, les premières salades, les grosses, elles ont été mangées. Là, elles étaient là, ici, devant. Là et là. Là, il y a encore deux, là encore. Elles sont très bonnes. Moi, je vous le garantis. On s'est régalé. On va passer par les fraisiers. Là, je suis très content parce que... Dites, je pense qu'il va y avoir des jolis fruits là-dessus, hein. Et là, elle refait des feuilles. Donc, ouais, on va pouvoir manger des fraises cette année, je pense. On verra ça. On verra ça. Bon, mais il reste plus grand-chose à mettre dans le jardin. Hein. Manque de place, je dirais. Bon, on va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre. C'est déjà dur alors. Donc voilà. Le jardin. Ouais, ouais, ouais. Et puis, soudain, tout à coup, je me suis dit, ouais, ouais, ouais. Petite œillet d'Inde triple. On va se le garder. Comme ça, on pourra le surveiller en même temps avec les petites tomates qui sont là-bas. On va aller se le mettre tranquillou.
Voilà. Comme ça, maintenant, on sait exactement où il est.